décapiter. Heureusement que t'es là. Montre-moi ce que tu veux. Allez, on fout. Bien, on jette un dernier coup d'œil et on s'en va. Ce sera bientôt l'heure du couvre-feu. Et Robert, alors? Il se planque chez qui cette nuit? Il est trop parano pour rester ici tout seul. J'en sais rien. On verra avec les autres et on trouvera bien un truc. T'as pas l'air en forme. Tiens. Merci. On est d'autres gars avec. Ils nous auraient ralenti. Ouais, t'as raison. Bien, les quais sont par là. On y va. Thank you.
Ce sale fils de pute. Allez, finissons-en. Et ça t'avancera à quoi, hein? Je te le dis, cette zone est foutue. Il faudra mieux trouver un moyen de faire ça. T'es bon. Je préfère encore rester ici. Hé, hey, mon pote! Parler, Robert. On n'a rien du tout à se dire, putain! Baisse ton arme! Allez vous faire foutre! Va! Robert! Joël! Par ici! Tess, Joël, sans rancune, pas vrai? Exactement. Ok. Oh putain! Tu nous as manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Ouais, bien sûr, mais... C'est compliqué, d'accord? Mmh. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois... Ah oh, merde! Ah, stop! 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 Putain, merde! Arrête de gigoter. Tu disais? Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez, qui a nos armes? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Ah, enfoiré. Qui a nos armes? C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On n'a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on s'en fout des Lucioles. On va les chercher.
C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant ? On va récupérer notre marchandise. Comment ? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des lucioles. Pourquoi vous êtes là ? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Oui, Robert. Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer ? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin ? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as ? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Oui, chef. Je dois y aller. Vous en dites quoi ? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On doit partir d'ici, maintenant. Si vous êtes partant, il faut qu'on bouge. C'est par là. Je connais un autre chemin. Venez. Ce sont les lucioles ? Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide ? Par ici. Pourquoi maintenant ? On s'est fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bien. On dirait qu'ils l'ont fait. On essaie simplement de se défendre. Y a le coup. Ça ira. Stop. Des soldats. C'est la sortie. La porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors. Même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. On doit atteindre cette porte. Relâche-le! Viens par là!
droite. On doit atteindre cette porte. Merde, on arrive après la bagarre. Je pense. Pas de bruit. Ils sont en force aujourd'hui. Bon débarras. Putain, ils ont eu Warren. Adieu, mon ami. On devrait y aller, Marlène. Il y aura sûrement d'autres soldats en chemin. Tu as raison. On y va. On n'est plus très loin. Allez, rentrez. Où est-ce qu'on va, Marlène ? Par ici. On n'est plus très loin. Comment tu te sens ? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. On est presque arrivé. Attention,
Le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. C'est quoi la marchandise ? Vous montrerez. Attention, le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Joël, donne-moi un coup de main. Attends un peu. Relève-toi. T'approches pas d'elle. Lâche-la. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeune? C'est pas une luciole. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Mais ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste... Ellie, c'est notre seule chance. Et... c'est elle qu'on fait sortir? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes. Et je pourrais me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une bonne idée. La merde, je fais pas avec lui. Tu les connais d'où? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. D'accord. L'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène. Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez! J'ai entendu les tirs, mais... c'était quoi? Les lucioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. C'est toi l'expert. Moi, je te suis. Attention, toute personne cachant ou aidant des criminels recherchés est passible de mort. Ne prenez aucun risque et signalez toute activité suspecte immédiatement. Par ici. Allez, dépêche-toi. Mais oui.
personnes cachant ou aidant des criminels. Là-haut, on pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut ? Donne-moi une minute. Du trafic dedans ? Oui. Des trucs illégaux ? Parfois. Non, c'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste ? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis ? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans ? J'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où ? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça ? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici. C'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot ? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Bien. C'est ici. Qu'est-ce que tu fais ? Je tue le temps. Et je suis censée faire quoi, moi ? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. Oh ben. Il faut pas. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. J'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai ? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste ? Hé, désolée d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène ? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt ? Ouais. Allons-y. C'est bizarre qu'il nous confie cette mission. Marlène voulait le faire elle-même. Elle n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un.
nous attend au point de rendez-vous. Elle a dit que des lucioles avaient fait le voyage depuis notre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème? La fille d'une huile ou un truc dans le genre? Ouais, un truc comme ça. Ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux du coup. Une fois sorti, tu feras tout ce qu'on te dit. Et tu resteras près de nous. Ouais. Pas de problème. Bougez pas, il y a une patrouille en approche. Ok. C'est bon, montez. Allez, petit. Fais attention. Cette pluie ne va pas nous aider. J'y crois pas. Je suis vraiment dehors. Par là-haut. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Scanne-les, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Combien de temps? Quelques minutes. Désolée! Oh merde! Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Oh merde. Regarde. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner, alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours. Alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines. Je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. Merde. Tess, cours. Cours! Debout. Allez, cours! Suivez-moi. Vite. Ok. Je te donne le signal. Vas-y. Cours. T'approches de la lumière. Ellie, il va encore falloir courir. Prête? Ouais, c'est bon. Fais chier, ils sont partout. Des soldats, juste là. Je les vois, je les vois. Ils ont dû réussir à passer. Vérifiez les transfaits. Restez derrière moi. Rien du tout ici. On est sûr qu'ils sont passés par là?
Attention, faut pas qu'il nous voit. À passer. Vérifiez les tranchées. Restez derrière moi. Rien du tout ici. On est sûr qu'ils sont passés par là. Le bord de ton frère, emportez leur chair. Attention, faut pas qu'ils nous voient. Suis-je. Vérifiez les tranchées. Restez derrière moi.